Comment, qu'est-ce qui... Les résultats. Il y en a qui ont les appuis pour eux. Disons que le serveur, c'est là. Il consulte. On va là-bas. Où sont là-bas? Il est là. Mais il va prendre ça. Mais ça, c'est la même carte. Et je dis, là maintenant, on n'a pas encore introduit les deux parents. C'est eux qui sont ici. Il faut qu'ils soient là-bas. On se connecte avec lui et nous. Et puis. D'accord, pardon. Il faut nous demander de faire comment. C'est que le Camerounais aime voir avant de venir monter au moins comment on fait. Mm-hmm. Il fait semblant de consulter. Fille d'abord ici. Il explique un peu. Filmez d'abord ici. C'est le docteur Guilto. Ouais. Avec cette, parce que ça c'est la webcam. Mm-hmm. C'est ce qui permet de voir le patient. Lui en Allemagne. Ici. Mmh. Tu vois, non? Voilà, c'est ce qui commence. Ça, c'est les casques. Mmh. Ils vont poser. C'est eux qui sont les démonstrations qui sont installés là-bas. Bon. Et donc, il faut que l'autre soit connecté en Allemagne. Moi, c'est que quoi? Mmh. Tu fais semblant de faire. Il y a une consultation. Mmh. Hein? C'est que vous savez. Bon, oui, c'est bon. Avoir l'accès à OpenMLS. Et... Non, c'est comme si c'est un fumeur, non, je ne sais pas. C'est un fumeur, on peut savoir qu'il y a un sage que non, c'est. Non, non, le truc fonctionne avec OpenMLS. Oh, ils ont installé dans chaque centre, ils ont installé de cette manière qui est qu'avec un clic, on est accès là-dedans. De ce programme de télémédecine qu'on est en train d'installer. Actuellement, c'est un dossier électronique du patient qui a été installé pour la première fois. C'est-à-dire que ça permet seulement de faciliter l'enregistrement et de stocker les données des patients. Et à partir de ça, quelqu'un qui est installé même à l'extérieur et qui a accès à ce programme-là peut entrer dans le document du patient. Donc c'est à peu près ça. Et dans la deuxième phase, dans la deuxième, troisième phase, on pourra de l'extérieur, c'est-à-dire que d'une clinique extérieure, on pourra consulter le patient en vidéo. Mais là, il faudra encore une installation qui sera ajoutée à cela. Donc ce n'est pas facile. Ce n'est pas... Avec ceci, le médecin à l'extérieur ne peut pas examiner le patient ici.
Ça, c'est la première phase. Il s'agit ici d'abord d'un document électronique. D'un document électronique du parti, d'un fichier, exactement, merci, d'un fichier électronique du patient qui facilite le travail du médecin ou bien des infirmiers, des secrétaires, où le patient est enregistré de manière centrale et où les données sont gardées. Et là, ça évite de la documentation sur papier, ça facilite beaucoup de choses et la gérance du papier. Voilà, c'est Moussé. C'est avec Moussé là-bas, avec Explorer. Bon, il vous a donné des... Il a dit qu'avec Moussé, c'est plus facile. Oui. Parce que ça permet d'avoir plusieurs interfaces, alors que Internet Explorer, on peut surfer sur des sites. Ok. Tu as un code, un code pour entrer. Le code, il n'a pas laissé. Il a dit que... C'est chez le médecin, chez... Oui, mais vous avez un code à vous. Oui, pour entrer dans l'OMR. Oui, dans notre site. La connexion n'est pas bonne. Ça, c'est des trucs qui doivent être encore optimisés au niveau de l'hôpital. Il faut... comment on a la PH avec les gens des capteurs. Des capteurs. Oui, parce que quand... Voilà, avec ça, ça va. Oui, donc avec capteurs, ça va aller. Je pense que c'est la fibre optique. Ok, alors c'est là.